Un zeste d'info, rencontre. L'histoire de l'Europe, on s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Paul-Henri Spaak, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Paul-Henri Spaak est né le 25 janvier 1899 à Schaerbeek, Bruxelles. En 1916, Paul-Henri Spaak, âgé de 17 ans, se porte volontaire de guerre. Mais il est arrêté par les Allemands en tentant de passer en territoire libre et finit la guerre dans un camp de prisonniers. Après des études de droit, il se dirige vers une carrière d'avocat au barreau de Bruxelles. Il commence sa carrière politique en Belgique en 1932, où il occupe de nombreux postes ministériels, y compris la politique étrangère. Avec la Seconde Guerre mondiale, il est contraint de rejoindre l'Angleterre et devient membre du gouvernement belge exilé à Londres, où il fait campagne pour une alliance de l'Europe occidentale après la guerre. À partir de 1941, il fut l'un des promoteurs d'une union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, d'où sont sortis les pays du Benelux en 1944, et dans une moindre mesure la Communauté européenne. Spaak s'est fait connaître grâce à sa présence sur la scène internationale. Il a été le premier président de l'Assemblée générale des Nations unies, puis de nouveau ministre et chef du gouvernement belge de 1946 à 1949. Et secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Il est à nouveau ministre des Affaires étrangères et rejoint le mouvement européen fondé en 1948 par des pionniers européens tels que Winston Churchill, Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi. Le mouvement rassemble des personnalités politiques et penseurs qui veulent construire et préserver l'Europe, ancrer la Belgique dans le camp des grandes puissances occidentales en formant une alliance entre la France et la Grande-Bretagne et en l'intégrant à l'OTAN. Il préside l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe de 1949 à 1951, où il défend le plan Schuman. Il démissionne après que la Grande-Bretagne le refuse. Il continuera de défendre l'approbation de la Communauté européenne de défense, CED, à la Chambre des représentants belges. Sa vision de l'Europe est qu'en créant des liens contractuels entre les pays, la paix serait maintenue. Il lutte activement pour la création de la CECA et d'un marché commun. Il est cependant contre une union politique confédérale à laquelle il préfère une supranationalité des institutions. Paul-Henri Spaak a joué un rôle essentiel dans la négociation du traité de Rome et la fondation de la Communauté économique européenne, CE. En 1965, il s'attache à résoudre la crise ouverte par la décision française de ne plus être membre du Conseil, crise de la « chaise vide » provoquée par Charles de Gaulle. Il se retire de la vie politique en 1966 et meurt le 31 juillet 1972 à Bruxelles. Son engagement pour la construction européenne lui vaut le surnom de « Monsieur Europe ». Il est considéré comme l'un des pères de l'Europe. Une aile du Parlement européen de Bruxelles porte son nom. Et ne manquez pas, chaque samedi à 19h, notre émission Zone Europe consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casdamon et Corentin Alonso. Un zeste d'info sur Sensation.